Et bonjour à toutes et à tous, du coup on se reprend, on s'était arrêté la dernière fois, pour moi c'est juste après, j'enchaîne les deux. Ok, donc on va reprendre là-dessus. Je sais pas comment est la durée de vie du jeu. Donc, mais bon, j'imagine que après il y a d'autres mondes hein, quand même. Merde. J'étais super bien parti. Mais bon, visiblement, on a quand même pas mal de temps. Puis là, je vous dis ça et je vais complètement me rater, vous allez voir. Corset de plus en plus hein. Je pense, mais je sais pas du tout si ça débloque des choses hein, d'avoir tous ces bonus ou si c'est vraiment juste histoire de dire on a ajouté des bonus pour faire le jeu vraiment comme on dit à 100%. Il y a des concept art ici, ok. 3D. Ah, on va aller voir, hein. Je regarde vite fait. D'accord, ok. Et les musiques, donc, d'accord. Bon, ça doit visiblement... Bon, j'ai changé encore de perso, mais bon, comme vous l'avez vu. Ça change pas grand chose. Hein. C'est vraiment. Histoire de dire, on a mis plusieurs persos. Mais ouais, du coup, je vous ai posé la question dans l'épisode précédent, mais dites-moi pour ceux qui savent s'il y a une nouvelle série, un nouveau dessin animé. Quelque chose parce que je vous avoue que sinon pourquoi pourquoi maintenant un nouveau jeu, enfin un jeu Marsupilami en général même pour surfer sur une hype ou sur quelque chose, un jeu, tu le fais pour faire de l'argent, mais faire de l'argent sur un truc que les gamins... Ah merde, attendez. Ah non. Ah, attendez. On se servir des... Voilà. Des galetas. En général, ouais, quand tu sors un jeu sur une licence comme ça, c'est pour surfer sur quelque chose, c'est pas... Voilà, là, c'est le point de la trouver. C'est pas gratuit comme ça. Donc je ne sais pas, au moins que Microïds ait eu la... Comme on dit... la licence pour exploiter Marsupilami et que donc, bah... Ils ont décidé merde, putain, comment on fait ? Faire le tour et redescendre. J'ai été particulièrement mauvais là. Cette fois, je l'aurai pas.
Oh putain! Je l'ai eu sur le fil, hein. Mon dieu! Bon, ça débloque les concepts art, en gros, j'ai l'impression. Donc, bon. C'est pas... Moi j'ai pas forcément une âme de... Une âme de collectionneur, ou voilà, donc c'est vrai que... On va pas se mentir. Je m'en fous un petit peu, maintenant. Je vous l'ai dit, on va pas forcément tout chercher. Mais si on peut avoir, on va prendre. Faire oh là là, mais quel abruti. Attendez là, allez, envoie une autre. Oh, putain, en plus je tombe pile sur les pics là, pas possible. Allez, dépêche-toi. Hop. Allez, attendez, on va attendre d'avoir la plume, voilà. Essayez quand même. D'avoir les plumes. Attendez. Allez, dépêche-toi. Oh là là. Oh, mais moi, quel abruti. En plus, je saute à côté, quoi. Oh là là, mais quelle naze. Putain. Je suis pas dans le rythme, à chaque fois. Là, j'ai eu peur. J'aimerais bien réussir à l'avoir, la plume, là. Voilà, fais pas le con, fais pas le con. Voilà. Ce que vous avez vu, c'est pas instantané, hein. Hop, hop, hop. Là, je me connais, je suis bien capable de sauter au moment où les trucs ils s'écartent. Mais bon, vous avez vu, c'est pas instantané pour les plumes. Il y a un petit timer. Après, bon. Voilà, je saute. J'appuie sur le bouton pour m'accrocher. Il m'a fait à peu près tout sauf s'accrocher. Si, on va dire, c'est fortement inspiré de Donkey Kong Country. Ouh là 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 là.
c'est quand même bah, c'est bien fait donc voilà, mais quel con. Donc voilà, moi, à partir du moment où... où c'est bien fait, moi, je dis... pourquoi pas, hein, après tout. Faire. Ah, je suis niqué, je crois. Je peux pas aller la chercher là. Ah merde. Bon bah tant pis. Hop, on va aller voir ce niveau. Tourne en grenage, ça va être encore un truc pour moi, ça, tiens. Moi, j'ai jamais été très bon dans les jeux de plateforme comme ça, de toute façon. On va pas se mentir, je fais un peu, vous le voyez, hein, je fais un peu tout dans la panique. Voilà, genre ça, par exemple. Et puis je me remets à faire un saut de l'autre côté comme un fou pour éviter un danger. Et au final, je me jette dans un autre, enfin c'est... Allez, fais péter les pommes. Mais c'est plutôt... plutôt sympa. Ah putain. Là, pas de couteau repris, s'il vous plaît. Oup, 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 oup. Fais pas le con, fais pas le con. Ne cédons pas à la panique. Ouah ! Là, là, encore une fois, j'ai tenté un truc totalement... totalement au pif, hein. Là, ce que j'ai fait... Boum. Vrai pour les... Pfff. Les plus jeunes... Ah merde, attendez. Les plus jeunes qui connaîtraient pas Donkey Kong Country, il y a le Returns, c'est Donkey Kong Country Returns, je crois.
qu'il s'appelle, sur la Switch. Hein. Parce que Donkey Kong Country, c'était un jeu à l'ancienne. Hein. Enfin, à l'ancienne Super Nintendo, quoi. Mais pour les plus jeunes qui se demanderaient de quoi je parle, si vous avez une Switch... Je suis concentré là, hein, vous m'en voulez pas. J'ai l'impression que cette vidéo, petit à petit, ça va être ça. Je pense qu'il y avait le bonus là-bas. Cette vidéo, petit à petit, ça va être ça. Plus on va avancer, plus il va y avoir des sauts et des trucs un peu dangereux à faire. Et plus je vais avoir de mal à communiquer. Disons les choses comme ça. Boim, et voilà. Ça va du talent, ça, un petit peu. En vrai, je me fous une pression à chaque fois que je fais un truc comme ça. Vous imaginez même pas, j'ai les fesses contractées. Je vais être le seul mec qui va faire du muscle ou de la perte de poids en jouant à ce truc. Bien joué. Attendez, on va attendre avant de faire le con. On les a toutes cette fois. On les a toutes. Oh là là. Oh là là là, quel talent! Oh là là, bon! Voilà. Fallait bien que ça arrive à un moment. Le gars, il s'enflamme. Bien évidemment. Vous voyez? Oh là là. Mais là... Voilà. Hein? Parce que sinon... ça sent la connerie... Y'a rien d'autre là, non. Ça sent la connerie intégrale. Bon, on a eu toutes les plumes et avec talent en plus. Hein. Et ben, moi je dirais que... Avant d'aller voir ça qui ressemble à un boss, on va aller faire ce truc-là. On a réussi à avoir 4 tickets. Donc écoutez, bah, c'est un truc un peu bonus pour récupérer un max de vie, ça. Parce que si tout ce que je récupère là, ça se matérialise en vie après, je comprends pourquoi dans la vidéo que j'ai vue, les mecs avaient 99 vies, hein. Là, je commence à prendre du retard, à avoir du mal à avancer. Yeah.
Ouais, donc c'est bien ça, ça va me donner des vies. Ouais, donc c'est pour ça. Ok, donc après, il faudra 8 tickets pour avoir ça. Là, il y avait un niveau alternatif. On va le faire. On est à combien, là? En minute. Merde, il est en bas lui, comment on fait? On va aller le chercher. Attendez. Comme ça, d'accord. Boum, boum, boum. Toc. Ok. C'est bon, visiblement, c'est un niveau alternatif. C'est un bonus, mais bon. Il y a moyen de descendre encore. Un niveau bonus. On va y aller. Oh là là. Ça sent quand même bien, bien la défaite là. Je suis particulièrement pas très rapide, mais c'est bon, ça passe quand même. Bon, après, vous avez vu ce niveau, visiblement ça sert à avoir des tickets, et les tickets avoir le truc pour avoir un max de vie, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça étant donné le nombre de vies déjà qu'on ramasse dans les niveaux juste en ramassant les pommes là, ou les fruits en général. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Après, comme je vous le disais, moi je suis pas un pro du let's play. Chaque fois je sais pas trop sur quel rythme poster les vidéos, tout ça. Quand je fais du let's play, c'est pas mon domaine, le let's play à la base. Hein. Je pense à Galax notamment, qui font quasiment que ça, des séries, voilà, des let's play sur les jeux et tout. Avec moi, c'est pas trop mon format, et quand je le fais que sur des jeux pas trop prise de tête et pas trop long. Genre, il y a une année, je sais qu'un été, j'aimais bien faire ça l'été quand il n'y avait pas de sortie ou quand je partais en vacances et j'avais les vidéos qui étaient déjà uploadées. Je m'emmerdais à uploader toutes les vidéos, puis je les passais en public. Le samedi et le mercredi, par exemple. Et et je sais que je l'avais fait sur une extension de... Je sais même plus, de
de Far Cry. Je sais même plus, Far Cry 5, je crois. Oh là là. Quel con. Il me semble que c'était ça. Il y avait une extension qui était pas très longue. Donc j'avais fait. Ça durait 3 épisodes, je crois. Mais voilà, j'aime pas faire des trucs trop longs. Alors là. Voilà. Excusez-moi. Alors. Ah ouais, mais ça, pour le péter. Voilà. Ça se manie bien, hein, honnêtement. Quand ça chie dans la colle, c'est uniquement moi le responsable. Pour l'instant, à part un moment où j'ai eu l'impression d'appuyer sur la touche tout à l'heure et que ça n'a pas fait ce que je voulais. En tout cas, jusqu'ici. Ouais, je m'en fous, tant pis. Oh là 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 là. Jusqu'ici, ça réagit bien, c'est bien fait. Honnêtement. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors, ouais, bah ouais, comme je vous le disais, hein, c'est sûr que. C'est. De manière gentille. On va dire, c'est très fortement inspiré. Merde, comment je peux aller la chercher, celle-là? Attendez. C'est très fortement inspiré, oui. Mais bon. Bien fait, et c'est quand même, je trouve, plus accessible que Donkey Kong Country pour les plus jeunes notamment, ou pour les nuls comme moi. C'est plus accessible, donc encore ligne à grande vitesse. C'était pas ça le niveau avec l'étiquette tout à l'heure. Voilà. On va pas se mentir que là. Merde. Avec ces cons d'oiseaux, je suis parti. Oula, vite. Oh merde, vite. Parce que lui, en fait, il. Ah, j'aurais dû prendre ça. Merde! Ouais, j'ai loupé le truc. Hein. J'aurais pas dû le lâcher.
Oh merde! En fait, si, il n'y avait pas le choix. Dans cette série, je pense que je vais vous laisser mes morts. Vite. Non, mais pourquoi il l'a lâché? Là, par exemple, j'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai gueulé dans le micro. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui est pas pour moi. Le truc où tu peux pas avancer à ton rythme, ça te fout... Ah, la plume, elle est en bas, là. Mais attrape-le, j'ai appuyé sur le bouton. Puis vous voyez, je m'énerve, je vais commencer à tousser. Après, ça va être mort, je vais plus réussir à respirer correctement. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai pas eu le Covid, hein. Je vous l'ai dit, j'ai eu une angine de mort. J'ai fait un test Covid, hein. En plus... je me suis dépêché au cas où, mais en fait, bon. Il n'y a pas besoin. Ah, je vais pas vous mentir, là, les plumes, tout... Mais là, par exemple, j'ai sauté, j'ai appuyé sur X. Je comprends pas bien pourquoi il attrape pas. Mais bon, c'est vrai que... Non, dans l'ensemble, franchement... Le gameplay est pas mal. Moi j'aime pas genre faire le rageux, même si des fois ça là sur le coup là ça m'énerve parce que je sais que j'ai appuyé sur le bouton et qu'il s'est pas passé ce que j'avais. Là ça a failli recommencer, hein. Là, je suis passé. Honnêtement, j'ai moi-même pas très bien compris ce que j'ai fait, hein. Il y a des moments, je vous le dis, hein, ça va trop vite pour moi, hein. J'ai vieilli, hein. Mais il y a des fois où... Je comprends pas très bien ce que je fais, hein. Mais même, du coup, ouais, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il y a une nouvelle série Marsupilami? Parce que normalement, comment il s'appelait C'est un chasseur dans Marsupilami. Comment il s'appelle? Je sais plus. Mais c'est un chasseur. Hop. Bon bah écoutez, ouais, visiblement il y a 89 plumes dans le jeu. On en a 30, donc ouais. Bah écoutez. On va s'arrêter là-dessus parce que je commence à avoir du mal à respirer. On s'arrête là-dessus pour ce deuxième épisode qui est plus long en plus. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.